Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPN Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité, c'est encore ce blocage qui existe au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Toujours pas d'oiseaux rares, les confessions religieuses ne se sont pas entendues. Qu'est-ce qu'il faut faire? On revient là-dessus. Et cette épineuse question de l'affaire RAM, le député du FCC et certains membres de l'Union Sacrée ont décidé de sécher les plénières jusqu'à ce que M. Kibasa viendra répondre à leurs préoccupations. On parlera aussi de la rentrée scolaire et d'autres questions importantes. C'est un militant de la première heure, parmi les premiers invités de cette chaîne. Il nous fait le réel plaisir de venir nous rendre visite aujourd'hui. C'est M. Alain Bialou Madilou. Monsieur Madilou, comment ça va? Bonjour. Bonjour mon frère. En tout cas, tout le plaisir est pour moi parce que je fus parmi les premiers invités de cette chaîne. Bien que ça n'avait pas ce nom, la CPL, je pense. Mais bon, on a traîné les rues de Bandel. Hein, pour trouver un endroit où tourner cette émission. Ouais. Mais au moins, aujourd'hui, on a un cadre bien là. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je rappelle ici que M. Bialou est donc porte-parole de l'UNC pour la ville-province de Kinshasa. L'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, de M. Vital Kamerhe, qui est en ce moment ici en prison. Vous avez remplacé à ce poste-là notre ami Tochimani Kisombe, qui lui a été envoyé au niveau de la coordination des mouvements associatifs. Tout ça, donc, c'est au terme des dernières nominations que Vital Kamerhe a fait. Comment il se porte, M. Vital Kamerhe? Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Oui, il se porte bien. Bien que les médecins essaient de stabiliser son état de santé, il se porte bien, il parle, il marche, mais voilà. Toujours en prison, parce qu'on nous dit que si. Vital n'est plus en prison, allons à prison, Kala. Tout dépend de la compréhension de la prison, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle prison? La privation de la liberté est une prison. C'est-à-dire lorsqu'on dit qu'on est en prison, cela veut dire qu'on vous a privé d'une certaine liberté. Non, mais il n'est pas à Makala. Et c'est la prison. Pour être emprisonné, il faut seulement qu'on soit à Makala. Non, mais la logique est claire. Ici, on sait que lorsqu'on est condamné, il y a des centres pénitentiaires où des personnes vont pour purger leur peine. Que l'on sache aujourd'hui, M. Kamerhe n'est plus à la prison centrale de Makala. On lui a privé de sa liberté. C'est ça, la prison. On peut faire la prison chez soi. Ce qu'on appelle, par exemple, résidence surveillée, c'est une forme de prison. La prison n'est pas seulement à Makala. On ne peut pas seulement purger sa peine à Makala. Bon, il est au centre Nganda pour des besoins de santé. Voilà, c'est une prison. On lui a privé de liberté et la santé a bougé. Mais à un moment donné, on nous disait que sa santé était assez instable, qu'il fallait une évacuation. Maintenant, tout va bien. Les médecins ont réussi à stabiliser. Il n'y a plus de problème pour qu'il aille prendre des soins à l'extérieur. Si, mais vous savez, Vital Kamerhe, depuis qu'il est né, il n'a jamais été même dans un souciat. Il n'a jamais été arrêté pour quoi que ce soit. C'est pour sa première fois de la vie qu'il aille en prison. C'est-à-dire, vous n'avez jamais connu de souciat, mais vous partez directement à Makala. Cela a des répercussions sur le plan sanitaire. Donc, il n'est pas un habitué de là. C'est tout à fait normal. La santé n'est pas habituée à rester soit sur place, soit dans des conditions que nous connaissons. Mais bon, il est à l'hôpital, on essaie de stabiliser peu à peu. À chaque fois qu'il pense qu'il est innocent, qu'il est arrêté arbitrairement, qu'il n'a rien fait et qu'il se retrouve en prison, ça ne peut que bouger son état de santé. Et voilà. Monsieur Bialou,
après avoir suivi Vital Kamere au niveau de TGI en première instance et puis à la cour d'appel, vous restez convaincu que M. Kamere n'a jamais commis ce pourquoi il se trouve en prison? Il est innocent? Bien sûr que si. Je vais vous révéler une chose ici. Vous savez, en droit pénal, on dit la loi au pénal est de stricte interprétation. Bien que ce débat-là est aujourd'hui révolu, parce que le président de la République venait de nous éclairer là-dessus, il a dit que Vital Kamere était honnête, sincère, correct et sérieux. C'est-à-dire, ça l'enlève dans ce que les gens disent aujourd'hui. On l'appelle avec des noms négatifs. La loi au pénal est de stricte interprétation. L'article 145 du Code pénal livre 2 est clair. Les détourneurs doivent être détenteurs de fonds physiques. Vous comprenez? Là, on n'a pas su nous prouver. Et le droit est encore clair pour dire c'est à celui qui allègue le fait d'en apporter les preuves. On ne peut pas vous accuser, vous, Perrault, pour que vous-même, vous puissiez venir présenter vos moyens de défense. Non. C'est à celui qui allègue le fait d'en apporter les preuves. Vous comprenez? C'est-à-dire, on a vu une certaine précipitation, le jugement du premier degré être inscrit au journal officiel, chose qui n'existe pas en droit. On nous a évoqué des termes comme détournement intellectuel, chose qui n'existe jamais en droit. Donc tout ça nous a amené à comprendre qu'il n'y avait rien contre l'honorable Vital Kamere. De surcroît, M. Jamal avait accepté d'avoir perçu la totalité de la somme de 57 millions. Bon, là maintenant, on était dans un procès spirituel ou un procès pénal, parce que peut-être il y aurait quelqu'un qui penserait que M. Jamal, il a bouffé l'argent, mais peut-être il aurait bouffé avec Vital Kamere. Ça, on ne sait pas. Mais ce que nous avons vu, sur le plan de droit, je dirais qu'il n'y a pas eu détournement. Moi, je dirais que Vital Kamere, le jour où M. Jamal avait reconnu avoir perçu la totalité de la somme, de bonne foi, Vital Kamere, le lendemain, devait se retrouver à la maison chez lui avec sa famille. Et si Vital Kamere n'a pas fait ce... Je ne suis pas en train de refaire le procès Kamere ici, mais bon, je suis quand même en face du porte-parole de l'UNC. Quoi de plus normal que de commencer cette émission avec des préambules sur M. Kamere? Si Kamere n'a pas fait ce pourquoi il se trouve en prison, pourquoi lier? C'est un montage. Qui est derrière? C'est Tshisekedi qui a fomenté ça? Ou c'est Martin Fayoulou? Qui est derrière? Alors, si Kamere n'est pas en prison, vous voulez dire que c'est un montage? Et qui est le responsable de ce montage? Bon, je suis pas venu pour faire la publicité des gens, mais je dirais que vous savez, lorsqu'on a créé Cash, nous avons créé Cash à Nairobi, ça a suscité de l'espoir dans le chef du peuple congolais. Le peuple a espéré. On a commencé le projet 100 jours, un projet qui a, vous savez, on a vécu des projets où on restait sur les projets papier, tout ça. Mais le projet 100 jours a prouvé à la face du monde que la volonté pouvait faire en sorte que l'État puisse agir, poser les actes. Les ennemis de la République, en regardant avec leur œil, ils se sont dit, si nous laissons ces gens, ils risquent de nous prouver le contraire. Et le peuple va se réveiller et dire, il y avait moyen de faire, mais vous avez manqué la volonté d'y parvenir. Vous voyez? Bon, dans cette histoire, il y a quand même une certaine naïveté dans le chef de certains dirigeants du Cash. C'est-à-dire, l'un a impulsé, l'autre a acquiescé, et on a avancé dans ce sens-là. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Vous n'allez pas comprendre parce que vous ne voulez pas comprendre. Je dis ceci. Parler de la lâcheté des dirigeants des Cachelets à qui c'est philosophique, ça. Vous parlez de la naïveté. Dans quel sens? C'est-à-dire, les gens n'ont pas vu venir. C'est-à-dire que le coup contre Kamere est un coup externe au Cash. Mais vous l'avez suivi. Kamere a dit que ce n'est pas moi qui suis visé, c'est le président de la République qui est visé. Le soir de l'arrestation, bon, je n'appelle pas ça arrestation parce que c'était un kidnapping. Par une invitation, lorsque quelqu'un vient pour collaborer avec la justice,
on ne le prend pas sous prétexte qu'il doit attendre des confrontations. On pouvait le garder en résidence surveillée chez lui. On l'a kidnappé parce qu'il a voulu négocier avec la justice, coopérer avec la justice, c'est ça le terme. Mais on n'a pas vu venir le son de cet kidnapping. De ces kidnappings, il y a eu un tweet d'un monsieur de le professeur que j'appelle aujourd'hui un visionnaire politique, le professeur Toussaint Chilombo-Saint. Il écrit ce soir que la classe politique congolaise entre dans une zone de forte turbulence. Il a vu qu'il y aurait succession d'événements. Et c'est ce que nous vivons. On a voulu séparer les deux parce qu'ils se sont dit la capacité managériale qu'a Vital Kamerhe associée avec celui du chef de l'État, ça va amener le pays loin. Il faut stopper cet élan. Quand je parle de naïveté, je vois quoi? C'est-à-dire ceux qui étaient parmi nous qui n'ont pas compris cette motivation ont mordu à l'hameçon. C'est ce que je dis. Donc il y a des complicités au niveau du cash. Si, si, bien sûr que oui. Vous voyez, heureusement aujourd'hui, le chef de l'État a rétabli Kamerhe en disant qu'il est honnête, sérieux, sincère et il a encore des choses à apporter au pays. Vous êtes toujours au cash, vous, non? Bien sûr que oui. Mais vous êtes dans l'Union Sacrée, vous y croyez, hein? Non, mais cash, c'est la fondation. L'Union Sacrée, c'est la maison. C'est bien trouvé. Hein? Cash, c'est la fondation. L'Union Sacrée, c'est la maison. Hein? C'est quand même bien trouvé. On parlera de votre parti, peut-être vers la fin de cette émission, parce que là aussi, on entend un peu beaucoup de choses. Hein? Le parti se porte bien à l'absence de M. Kamerhe? Oui, oui. Vous savez, il y a... Bon, moi, j'ai toujours dit que le combat atteint son niveau spirituel. C'est la pureté de Kamerhe qui fait que l'UNC est resté soudé. Il n'y a pas eu de départ, comme le voulaient des gens de mauvaise foi. Il n'y a pas eu de départ, le parti se porte bien. Bien que dans une famille, il y a des problèmes qui se règlent en interne, le parti se porte bien. Mayo est toujours avec vous? Si, si. Baudouin Mayo? Si, si. On dit qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de guéguerres entre lui et Billy Kambalé. Non, pas du tout. Il refuse totalement les leaderships de ces... Beaucoup de jeunes. Pas du tout. Il est là et je pense que je le salue là où il est. Il est toujours là. Il est... Vous savez, Vital Kamerhe, c'est plus la personne Vital, c'est un esprit. Le camérisme est devenu un esprit. C'est-à-dire, il y a eu des gens, Vital a formé des gens. Aujourd'hui, vous voyez des gens comme les Bitakwira. C'est-à-dire, Vital Kamerhe vit et vivra toujours. C'est-à-dire, moi, je ne pourrais pas dire que Bitakwira, que je viens de citer, a quitté Vital Kamerhe. Parce que ce qu'il est aujourd'hui, c'est Vital Kamerhe. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai toujours dit qu'on vient en politique, on apprend, on a un maître. Et ce maître-là, vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain que je le quitte. Vous le quittez peut-être sur le plan physique, mais sur le plan idéologique, il reste et demeure votre maître. Alors, M. Bialoumadi, nous parlons cette fois-ci de comment l'actualité politique. Dans le pays, l'actualité reste dominée quand même par ces blocages qu'on observe au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Vous le savez, les confessions religieuses ont finalement confirmé qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre. La balle est désormais dans le rang des messieurs Mbosso et l'Assemblée nationale. Entre-temps, on accuse quand même le pouvoir d'avoir tenté d'intimider les gens, d'avoir tenté des opérations de corruption. La République est d'une certaine manière bloquée. Quelle est votre recette, vous, à l'UNC, pour que finalement, nous puissions nous sortir de cette affaire de la Commission électorale nationale indépendante? Bon, sur ce point, je vais m'adresser aux Kinois et aux Kinoises. Vous savez, Ndegopero Louara, la question de la démocratie est une question de la survie nationale. L'avenir de la démocratie ne dépend pas de certains individus. Raison pour laquelle nous, après la réunion de la DPN, DPN c'est quoi? Direction politique nationale de l'UNC, okay. Nous avons souhaité qu'il y ait consensus.
que les confessions religieuses nous donnent un consensus pour le choix de l'animateur, ou soit du président de la CENI, qui est celui qui va diriger la CENI. C'est ça notre souhait. Tout ce qui se passe là sont des guéguerres inutiles qui ne vont rien apporter au pays. Le souhait de l'UNC Lelo, c'est que l'église au milieu du village qui nous apporte. C'est-à-dire, l'iboké. C'est des rêveries à l'heure où nous parlons et qu'on va insulter parce qu'il y a une localité. Il faut tabler maintenant sur divergence pour qu'il y ait une localité. Bon, je pense que il faut pas l'accepter que faut qu'il rentre dans l'église na bango. Ouais. C'est tant besoin l'accepter que biso to ko ya sur na l'église na binote pour to ko sa bino confiance té. Et comme ko frustré. Et je souhaiterais même que bah au misou sous les six autres confessions religieuses qui sont à côté qui ne passent pas na forcing pour ba relancer les sous message mousou sur na population. Que voilà, nous, c'est ça notre pratique. Et les autres ont dit faux. Je pense que Bako trouvait solution pour battre à Kabiso Bomoko. Le souhait de l'UNC, c'est que Bapé Sabiso consensus. Ce consensus, c'est été beau ça, Nibino na UNC. Parce que visiblement, il n'y en aura pas. Bayo Kanité. Non. En politique, il ne faut jamais dire 1 plus 1 égale 2. J'ai suivi monsieur le vieux Kengo Adono qui dit. 1 plus 1 en politique pourrait être égal à 16. Vous voyez, la politique est compliquée. S'il n'y a pas consensus, comme nous le constatons, nous allons souhaiter qu'il y ait arbitrage du président de la République. C'est lui qui est l'arbitre. Il peut assurer son arbitrage pour qu'il y ait apaisement. Je ne pense pas qu'il va laisser cette histoire stagner comme ça ou demeurer ainsi. En clair, l'UNC ne soutient pas Denis Kadima. Bino Kadima. Non, nous, ce n'est pas les individus que nous combattons. Non, mais parce qu'aujourd'hui, le problème se cristallise autour de Kadima. Pourquoi est-ce qu'il faudrait seulement faire arrêter les choses parce que vous voulez un candidat de vie ou de mort? Non. Soyons sérieux. Là, je parle en tant que Congolais. Qu'est-ce que lui a de spécial à donner que les autres n'ont pas? C'est ça le problème. Nous avons vu Nanga, un kabiliste avéré, mais il a proclamé Tshisekedi. Vous comprenez? Donc tout n'est pas garanti dans les choix. Mais seulement il faudrait que population Oyazozela a comprendre que vous jouez carte sur base Naye et non sur base Yabino. C'est ça le danger. On répond de Nagaté. Non, mais je vous ai. Donc, au fixicisme, on va trouver ça sur le cas du maillot, on comprend d'un côté. Non, mais oui, on ne peut pas s'arrêter pour. Parce qu'il y a des gens qui veulent un candidat de vie ou de mort, c'est-à-dire, tu as un coup de fapo naïe. Or, tu as un coup de fapo naïe. On ne peut pas mourir pour un individu. C'est-à-dire, ici, la question est la démocratie, l'avenir de notre démocratie est mis en marche. Donc, ça veut dire, je comprends que Kadima, ce n'est pas le candidat de l'UNC. Non, mais Kadima, ce n'est pas le candidat, c'est le candidat. Non, Kadima, va changer. Non, c'est le candidat des Kimbanguistes. Ce n'est pas de l'UNC ni de l'UDPS. Tout le monde a dit Kimbanguiste et se prononça qui compte à ça. C'est-à-dire, quand il y a des doutes sur Banini et que Batoubaru a une preuve, il faudrait pas vendre. Pas brandir la preuve entre Bango. Ok, la preuve, yo. Ils ont tia bison à posture et à bienté. Toluka, candidat Moussousou, oyo, peut-être que vous êtes la candidat à consensus. Dans le cas contraire, l'arbitrage du chef de l'État est attendu. Non, mais selon la loi, c'est quand même l'Assemblée nationale qui doit le faire. Batou Balo va que Mbosso a sa responsabilité, naïe, commission paritaire. Et si, et ta blague déjà sur cette affaire-là, wana ils a aidé Madame Teponayo. Bon, en tout cas, moi je souhaite pas que. On dit, il faut pas qu'on néglige représentativité à ECC, à l'Église catholique. Ça, il faut qu'on se le dise. Je ne voudrais pas que. Il y a l'Église, le roi de l'Église, il y a des réveils, il y a l'Église, différents ces années. Bon, il y a l'Église, le roi de musulman, le roi de Kimbanguiste, il y a des gens qui sont là. En tout cas, mon frère. Dodo Kambalo, il s'est respecté. Il s'est respecté. Il s'est respecté. Bon, le problème, c'est ça.
peut-être langage j'en ai cause à pas na biso ba païen mais ba to nzambe ou ba ta soutane faut ba la que ça biso vraiment exemple que soki baninga balobi ke moto to moni mabe pona oyo 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 et que ba prouver bino pe bolo ba bon to luka to yo kana to luka candidat mususu. Je vous ai donné l'exemple ici. Chadari n'a pas été prononcé par Nanga, mais Nanga a été choisi par Kabila. Donc on peut beau choisir ou s'accrocher sur un individu, mais au finish, on n'a pas le résultat qu'on attendait. Donc je pense que ça doit leur servir de leçon. Que ba luka moyen moko ba changer à tamutu. Peut-être exact makamba bilongi. Ponga na ça la débat bilongi te mais na comment mona ba sali nzambe nde ba komi ko mema biso na débat bilongi. Alors loko eza ba débat bilongi ba me ko changer longi total anan parce que il rappelle le mususu na kishasa to ba bon ba on ba ligne hauteur to pe sa ba non au total sa réaction na bango eza non pour ne pas dire aujourd'hui que ils sont de mauvaise foi non bon me ko pe sa ba ngelo ko mususu so bon moni ba continuer na même option vous pouvez conclure que bon les confessions des SCC l'église catholique balingité mais qu'au tel ma place moko c'est les pays qui perdent. Donc dans le contexte yo l'UNC est clair, il faut un consensus. Ce consensus c'est monanité, pas trop de fonci, le président de la République doit intervenir. Avoir bino botine d'avoir représenté la nation. Bon, esa condition sine qua non, c'est ça la pratique. OK. C'est-à-dire pour toi la résolution a mis balai pour consensus, il faut dépeindre vendre. Mais à l'instant où nous sommes, nous disons, nous demandons, vous avez suivi, j'ai lu le président du MLC, supplier même les confessions religieuses, hein, qui est consensus. Bissopé Tolbaki avant consensus. Comme Bissopé qui est arbitrage à chef de l'État, il y a un bon qui s'amakambo, qui est un bon qui ce consensus est athée. Arbitrage à chef de l'État, il y a un bon qui Hollandais a bécho la léki à l'obi que Bango Balingi Kadimate parce que son. Les processus du choix de Kadima est quand même entaché de beaucoup de faits. Il parle de la corruption. Il dit que on est venu leur parler de Kadima comme le candidat du président de la République. Il dit que tu vas payer 100 000 $, tu vas payer ça qui va tout ça, tout ça. Bino va tout pouvoir, il est pesté. Est-ce que ça n'est. Ils ont écorché un peu l'image à Mokozi Mbokate d'une certaine manière, de voir qu'aujourd'hui, et comme Golobamam, que UDP s'est tenu sur Kadima et que le Kadima est le candidat du président de la République. Bon, ils ont la déclaration, ils ont engagé à Bencholé, ils ont eu courage jusqu'à venir l'étaler devant la place publique. Sûrement, il a des preuves, parce qu'il le dit. Il dit qu'ils ont même des sons. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Pour dire que Allah qui s'abat preuve ou quoi, mais le souhait ici, c'est de combattre Moutou Mokote, camp Mokote contre l'autre camp. Ici, c'est tant qu'il y a le Bibongo, les autres confessions religieuses, il faut pas constater que ceux qui bat preuve Zali, tout le monde, parce que ça risque d'entacher la personne du président de la République. Donc, je pense qu'il faudrait aussi protéger la prestige de cette institution président de la République. D'accord. Alors, monsieur Madilou, actualité s'appelle RAM. Oua Kinois, oua Congolais, oua victimes certainement à RAM, parce que RAM Babé Zoka, quand même président de la République, le crédit. Moutou Passier, Bloua RAM. Le repéro Loire, oui, dans les cas, je m'en ai mis Moza, je m'en ai petit mot, je m'en ai mis Moza. PMU, bon, excusez-moi, je suis un PMU, mais je suis un peu ça, ça. PMU, jouer. Kamer est en prison, Miyibi Libanda. C'est à partir de RAM, je vais comprendre le sens. Donc, il ne faut pas tout dire que les Congolais sont en prison. Les Congolais sont en prison. La population va tomber ta balle. PMU, jouer. Kamer est en prison, Miyibi Libanda. Ndeko Perro, Ramazao Katabiso. Mais Mikolo, Banan, l'Assemblée nationale et Ben Sagi ministre. Ramazao Kato, Ndeko Moutado Dunda. Omoni, soy Moutado Lia. Boubengi, Mbang, Mbang. Ah, c'est ça. Aomotana, ou bien Moupaya, Mourazo, Yogi Moupaya, Namakolo. Soa Kabarate. Aomo Dunda, Mbang, Mbang. Ramazao Kata, 3 fois par jour, Ndeko Perro. Et 3 fois par jour, on a eu 4 à 5 cents.
Alors, tu as 117 unités trois fois par jour. L'obina est allé là. Natindelai Mutumongo, il fallait Zouangon à Jeton, il fallait que j'appelle le service client. Logan a tiré sous unité pour ramoïté. Nameka unité à l'ibosso, cube à Kenang. Nameki a mis balai cube à Kenang. Il a mis ça tout cube à lui. Ah! Pendant que vous êtes en hôpital, 17h45, service client, l'état n'a pas besoin de solution. Trois fois dans la journée Moko. Et les loyaux, il ne faut pas tout ça dans le Congolais. Vieux, il y a un ministre Batou. Qui va j'ai assigné à l'ECAC. Bureau à Ramouane en face, il y a Pullman. Serveur, il paraît, serveur, il paraît que serveur central dans la région de Belgique. Donc, Maramou, tout au monde n'a rien à voir. Viens là, tu peux me dire que tu as tâtonné sur le chiffre pour y éviter. Qui va s'aider à foutre le membre? Je suis sûr que tu as mené l'investigation, l'information à notre possession. Il paraît que Ramouana, et ça, sous un accord, serveur et ça en Belgique. Peut-être qu'il y a un roi belge. Le serveur est en Belgique. Mais bureau est en face à Pullman. Ce qu'on a vendu, non, mais tout. Lobina, dans le service client, il y a raison dans ça, les lacs. Na bengi ba bise me ramo katinga trois fois. Momena ebisinga uno soko lingo benga service client ya ram. Donc ils ont entreprise à part. Donc bana service client na bango ba expliquer biso neni ba ole biso pata. C'est une désolation. C'est-à-dire Kamer est na prison miyibi Liban. Donc ram ezam miyibi pona yo. Mais attendez, ndeko pero na vandi boyo so bobi nanga ke fona futa ram par exemple ram bobi wo futa nga 117 je crois par mois calcul na wana e barate eza sur une année $7 n'est-ce pas so sur une année $7 so bokati nga ja 117 unités eza 1 dollar point quelque chose so bokati nga 3 fois eza bokati nga $3 skou ipsa nga to lobate to kanga munoko po biso to za nga kutu peut-être na kozana mbongo cha 3 fois unité et bongo vieux azana basan kusu mère azana na bokungu ikele ba kozwa mbongo wa mais ça gouvernement na bio union secrète bien noté non mais ya on azo biso ke vieux batu ya gouvernement innocent moyi na ya pona de donner te po vieux pe mta signer arrêté ke a signer arrêté ke non ezu formule a liboso e ba protéger ba téléphone ya mi balé au gratuité, il y a mis ça te comme au basim finalement. Vous avez patogé pour abolir net salaire m'a dit trois fois unité dans journée mon corps. Donc quand ma be obi que de copero na vendi bien. Caméra en prison miibi libanda ko. Hein? C'est dit miibi ba libanda. Pour normalement taxe faut le l'Assemblée nationale. Et quand le ministre s'explique, tu sens que a ou maîtriser na ngote via lobi. Tu as un bon moment. Mais quand on a le roi belge, Ram, on a identifié leur bureau, c'est en face de Pullman. Il paraît que leur serveur en Belgique, peut-être c'est le roi belge. Alors, roi belge, aie pitié de Congolais. Hein? Si ça se trouve que ces serveurs-là se trouvent dans ton pays, fais en sorte que épargner les Congolais n'a pas coupure à boyer. Tout comme dit, mais quand même, avec 45 millions d'abonnés, 2 cents par jour, les gens ne vont pas sentir, n'est-ce pas? Mais quand vous coupez 1,17$, franchement, et 3 fois par jour, dans le robot, ça n'a pris un mois, betting en sous. Dans le robot, ça n'a pris un mois, on va avoir 200$. C'est ce qui est une année. Une année, on va avoir 200$ parce que vous avez un Congolais à revendiquer. Ils ont une série de réseaux comme 50 cents. Bazunga 55 na vie
ngai na kotika likambo te na benga bango ti bazon 5500 na biso bazon 55 zo na tiki so bakata ya 1 million de personnes et vous accord pas mon tout azwa combien na bateta batu et ram. C'est pourquoi dans la réunion nabiso à SPN nous avons souhaité qu'il y ait suppression ya ram pour le quoi baebi apparemment baebi que pression moko ezali ya on ba komo lia le quoi ba odunda parce que elie li oyo ya sikoyo eza sous normalité ram ezako mona ozu crédit batinde lio otanga ta message omego bipé ya le lo ram komo suka likolo ça dit soka batindi message akatelanga partir likolo kien autant on meko benga boye vous n'avez pas d'unité. Donc je sais pas mais moi binami sou makasi boye nazo senga gouvernement total likambo parce que tous une information qu'ils a un groupe de gens quand j'appelle le service client bah singa bango pe bazan na service client na bango ce qui revient à dire que le réseau n'est pas concerné. J'ai posé la question au réseau bah singa non faut bien un service client ya RAM. Donc c'est une entreprise à part. Où est le gouvernement les soutient. Tout fungola misu. Parce qu'on va appeler le ministre sera limité parce que c'est lui pas lui qui gère les fonds. Bon expliquer biso bien. Ou explication tu en as besoin de suppression ya RAM wana. Ndeto zela. Au moins est-ce que vous m'emmi Congo bino? Bino bato FCC na bato cash bato ya ya pouvoir bato union sacrée. Gestion de la Bino à Union Sacrée. C'est pour ça que vous avez chassé Kabila pour faire ce que vous êtes en train de faire. Il y a un communicateur, il y a un porte-parole, il y a parti de l'Union Sacrée. Donc la République est dans la rue. Non, ça c'est l'Union Sacrée, la gouvernance de l'Union Sacrée. Dans l'obité, au moins, le problème est que l'information est aux huit. Vie Aza a signé et arrêté, faute n'est en moi. Mais où est Tikali? Peut-être qu'on lui a imposé aussi à signer. Voilà ce que Naibi pensate. Parce que nous avons dit, au moins, il y a un bel et bien dans la COP. Il y a un gars qui a dit, ça c'est un. Bon, je ne sais pas, mais il faut que Lukato pousse à soi, te mande comme on a 10 ans. Pour que tu te dises, il y a un gars qui a dit, pousse à tati 10 ans, tu as 10 000 $. Mais le mandat, il est. Et un mot, vous posez vos problèmes dans votre pays. Les gens peuvent dire, bon, tout le monde, moi, je tire ma gomme au lila. Et les rames, avec les bons katai. Bon, supprimer pour le peuple à l'unité. A gomme au lila, ce que vous avez dit, mon père. Mais tout identifié, groupe à battre. Ram, tout le bête à l'issue, on a passé. Kanakon. Moi, je vous dis, il y a des gens, oh, lelo, bazolinga. Va faire échouer pouvoir au cas chez eux n'a pas si au moins le total net il y a Union Sacrée au moins un parti le goal à FDC ce qui n'est il y a battu le coup baso le bas au bango basan à poids politique ou les cas UNC je me demande et c'est pourquoi Natala qui n'a réfléchi bah l'équipe n'a pas député UNC on a 20 députés non j'ai réfléchi parce que la démocratie faut à l'ancrage populaire paix d'accord. Nathan a vu AFDCA à l'équipe UNCK n'a pas drapeau. Bisous l'équipe on a pas membre. Alors, quand on batini mutazo ça débat moko oyo. Nami tout na mais. Non mais l'ancrage l'ancrage populaire c'est mesure dans un pays de démocratie par les résultats des élections. Oui. Vous en avez moins de 20 députés, bon bah. Comment il est là? Bah le wakiri qui va l'équipe non. Non, kolobango sikoyo. Moni bureau pe, politique à bureau. Hein, politique à bureau. Tout bas il faut ici là. Vous savez fort na terrain t'es. Vous avez un bureau pour négocier. Tout bas il faut ici là. C'est à dire, pourquoi il n'a pas cet exemple là. C'est pour dire que pouvoir cacher lui. Bato baye misu suba un esprit malamute. C'est à dire baye kokota pour que bacha ba bâton dans le haut. Les lomo ils va bloquer à ramo ils va bloquer peut-être peuple là aussi les kamakasi. Ya on a vu que les gouvernements, les groupes, ya batu. Na bengi réseau, balobi que les a bango pe bazana service client na bango. So photo yeba. Les a bateau, tous avant na bon na cash. Tous les a bateau baye na union sacrée. On a des questions toi na musiko.
Mais tu es baba. Bichonde bato tamé on sika ton se rend compte que Kabila obo afinga mara na pamba parce que banda pe bozu pouvoir en haut. Banda pe bolongo na Kabila changement zate ndeko. Ta la gouvernance no ram yango yo. Non, cerveau. Moni Vital Kamerhe c'est le cerveau. Google, moteur de recherche. Et le souhait il y a mutu o ya salaka que à côté sa naïf il y a cash na kopo wana yango souhait na e majeur ezagi que le cerveau alongo ambrume kota puyo lo ba mambolo balelo so Vital Kamerhe agi ti lelo pero yo ngo ba suma mbote. Mais mouto a salaka plan. Souhait na ezalaka. Pero aloba boe. To bando regrette Kabila. C'était ça l'objectif. En tout cas, en termes de gestion, il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles les Congolais disent que Kabila les faisait mieux que vous. Avec votre union sacrée. Le cerveau. Ça, c'est évident. Cerveau. VK. Ça, c'est parce que Vital n'est pas là. Le cerveau. Vous savez, bisous de Ranaba projet tout ça là. Hein? Nago ça projet. Ndego pero, na vandi na yu, e uti na mutu na nga, na sali proje na yu, na sali na yu esili, soko ke na sima mukongo na nga, obyo sala proje wana na batu musupo lia la, keza na plas mobo bloke. L'œuvre d'esprit. C'est-à-dire, soki cash ezagi formé na deux personnes, deux personnalités. Au bazo y pouvoir na bo objectif na bango. Soki moko azati. C'est tout à fait normal que libata ba katie lokolo, ba ben ngo canard boiteux. Nde auto vivre siko. Moi je pense qu'il n'est pas trop tard. Cerveau faisons en la place pour mambozo. Ba libérer Kamerhe. Comme asara nini pe kuna kasi. A condamné. Condamné na ba sentiment bat. Condamné tout ça. J'ai suivi l'excellence Tony Mwamba. Bon, c'est fier en avoir juriste, mon souté. Détournement intellectuel, les alarités. Ça n'existe pas. Bon, condamné Moutoubouna à détournement intellectuel, c'est une honte pour notre République. Et ça pourrait constituer une jurisprudence. Demain, Bano Badotang à droite, Mawanangé Zara, Banana Baokine. Banotala, comme référence. Pour ça, Kamerhe, on a condamné malgré qu'il n'y avait pas de preuves. Or, pénal est un roi mathématique. Hein. Dans le pénal, quand on dit 1 plus 1 égale 2, c'est 2. Au pénal, on ne vient pas s'y puter. On ne vient pas tergiverser pour dire, voilà, il paraît peut-être, non. Donc, et là, on a ça là, dans la prison. On a évité. On a rangoté. Prison est la privation de liberté. Ce qui est abîmé, on a mon aïe. Puzzle les ongles. On dit puzzle, hein? Puzzle. Puzzle les ongles. Il y a un autre cerveau. Si vous détachez le cerveau, moussika. Si vos ongles, c'est moi remarquable. Mais Abima, tu as un appel. Comment tu vois l'avenir du pays avec la gestion de l'Union sacrée? L'Elonde Toloba, est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont la République est conduite avec l'Union sacrée, vous, UNC, où vous dites on est là pour le besoin de la cause, mais comment tu trouves la gestion du pays avec l'Union sacrée? En tout cas, ici je dirais, sur le plan UNC, puisque vous parlez de l'UNC, nous avons, bon, nous voulons lancer, excusez, un programme pour vulgariser les actions posées par les ministres UNC. C'est très important. Donc, vous différenciez, bon, on a un ministre comme ça. Oui, parce que. Un gouvernement et talibé. Non, mais on dit warrior, on sera warrior. C'est tout là qui s'abat, tout si gros que. À l'UNC, les ministres posent des actes. Alors, programme on est au band. L'UNC va descendre, vulgariser, dans les médias, dans le terrain. Biloko Nyoso, par exemple, si on appelle ça pour l'intérêt du peuple. Lelo, il y a eu ce mindaku, au un conservateur. Après, sur montant, il y a ligné pour ça la mutation à document. Mais Lelo, ça, il y a une transaction, il y a une chaîne, il y a vente ça à la banque. Paiement, on a un bon à l'État, c'est 3%. Donc, et fout à ma banque à foutu via le trésor public. C'est-à-dire, bon, trésor public a bénéficié dans Mbongo. Mais le peuple a sauvé dans le sentiment
ba conservateur o ba pesa ba prix forfaitaire o somina ko 100 000 $ conservateur a sur pour ça ba document faut pesa 50 000 $ ou 40 000 par exemple. Or logiquement na option aujourd'hui les loans affaires foncières ils ont permettre que na 100 000 $ 3% au foot à une affaire à 3 000 $. N'est-ce pas que le peuple est respiré? Ça, c'est le peuple d'abord. Vous vous comprenez? Si vous avez un ministère à jeunesse, vous avez Excellence Billy Kamba, les 5 étoiles. Les lots. Bah, ça, là, secrétariat technique de la jeunesse. Et il faut vulgariser parce que vous avez bien noté. Il y a des gens qui sont engagés là-bas, qui sont payés. Donc, on a aussi sa matière. T'es. Nous allons commencer la vulgarisation des actions posées par les ministres UNC. Parce que bah, c'est une école. Il y a vitalité. Et le peuple congolais, Azan a besoin. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que là, vous vous désolidarisez du gouvernement. Et nous avons beaucoup partagé le bilan au gouvernement. Non, le bilan Zarana Souka. Oh, tout ça, l'évaluation. C'est-à-dire, pour l'appellation abusive, il y a Warrior et Comitro. Hein, bah, toujours comme Warrior, tu sais. Warrior, tu dis que nous l'accessoires, tu sais. Il y a Bisso UN, c'est bah Warrior, Bangoué. Le reste, c'est beau débrouiller. Si vous avez beaucoup de savoir à l'eau, si vous avez des warriors, vous pouvez prouver. Mais si vous avez des cas, na évaluation, na biso, en tout cas, vous pouvez performer. Le ministre UNC, na quatre gouvernement, ils sont pour quelque chose. Ben on verra, vous avez un Boji, vous avez un Sakombi. Estache Mouanz. Estache Mouanz, c'est où PME, petit et moyen entreprise. Culture et art. Culture à côté, tu sais, quand on a connu le fouf, on a fouf. Si on est compliqué, on a artiste, on est là-bas, on a fait là maman Denise, son habit, son maman, on est son habit. Non, mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Il y a un fonds de promotion culturelle. Et ça, c'est un bras séculier, ministre. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'art, quand on a dit que c'est un bon souci, comme on a Alain Bialou, Madilou, au moins, on a sans souci, et aux années 20, il y a Madilou système. Bah ben on a double brassard. Ah bon? Nazapé président de tous les enfants d'artistes congolais. Autoproclamé. Non, non, voté. Tu as la plateforme. Ou l'on a raté, on a la ébouille, on a la gaille, on a la gaille. Le mandat, il y a 5 ans. Il y a la gaille. Et puis, il y a. Sauf que ça, il vote au Kékak. Depuis, tu as un an, il y a 50 ans. Il y a le mandat à 5 ans renouvelable plusieurs fois. Donc, double brassard. Double brassard. Plateforme Nabiso Maracine, Ezali. Tu as un projet, Neti, par exemple. En fait, tu as raté le ministère de la Culture et tu as un problème d'information. Neti, tu as un projet Moko. Il y a aussi la Panthéon pour les artistes. Tu as déterré l'artiste tout place où tu as un place Moko. Tu as un regard à l'étape et ça sur ma belle. Tu as un place Moko. Place où tu as constitué. Lieu touristique. Écoute, ça m'a ministère à tourisme. Écoute, ça économie en boca. En fait, et quoi apporter quelque chose dans l'économie en boca. Ban à l'artiste, c'est pas aux mais ça là, on travaille dans le conseil d'administration. Les artistes vont y travailler. C'est-à-dire, soit au sali et l'eau à Nengwana et vous permettre que tout en bas lieu touristique au ministère de la culture est initié. Tout en bas projet genre. Les pays, nous avons des pays où est conservable à droit d'auteur parce qu'il n'y a pas de structure sérieuse, il y a beaucoup où ils ont droit d'auteur dans les pays. Donc, ce qui est aujourd'hui, c'est le recouvrement, le partenariat, la succession à la famille, les pays va bénéficier d'un certain pourcentage. Double-moi ça. Ça n'a été traité ou yembate. C'est quand même bizarre. Même foire à la bacara, ok. Au sein d'album, tu es au sein de théâtre. Madame 1500 podium. Ok. Ok. Voilà. L'art, c'est un état d'esprit. Na sali droit, na unikin, eza art. Politique, eza art. Donc, nous sommes eza art. C'est quoi, Soneka, bonjour à maman. Bon, Soneka. Mais là, ça ramène nous quand même. Soneka, na Sokoda. Sokoda, ba guerre, on a mais des fois, ba pe saka et tout. Des fois, ils ont été, mais vieux, je sais rien qui a quand même régulièrement copé ça. On a constaté que la bah, guerre en Ozong il est sous-sous. Donc... Moi, je suis un peu comme ça, les gars. Ah, Péro Loire. Bah, comme ça, les gars.
Non, mais moi, je pense que le pays doit aider l'artiste. Vous savez, la culture arrive avant la politique. Mais au pays, c'est la politique qui gère les culturels ou les artistes et consorts. Je pense que les politiciens doivent rendre l'ascenseur au culturel. Pour ma culturelle, comme avant, il va imposer politique à Mboka, on a politique et côté. Mais apparemment, nous avons tendance à négliger nos artistes. L'artiste vit de la mendicité, l'artiste vit des poches des gens. Voilà. Il faut que l'on ait l'artiste dans le secteur. Ce qui n'est pas sûr que Sokoda Lelo, à cause de la difficulté à foutre l'artiste, même l'artiste va être en train de se faire. Quand on a la radio, Sokoda Fazombon. Na vente ba carte mémoire ou ba tchara musique, Sokoda Fazombon. C'est du support nyonso médiatique. Sokoda Fazombon. Ba chaîne à télévision et consort. Donc Sokoda Gole Lampiakati. Artiste de surcroît, a Gole Lampiakati. Donc artiste, c'est un souba Gole Babé. Bon, tout le monde a sa sème et sa bam et consort. Tout le monde a besoin de Sokoda parce que tu as l'art dans le bisou. On a souhaité que vous avez que l'État mécanique vous récupérez Sokoda. Peut-être dans l'État et qu'aux au moins forme bien que tu veux dans l'État on peut mettre mon goya coopérant mon goya ou quoi ça n'est mais au moins et au long on a pas conflit à ceux artistes on a l'ingraité aïe tout sur la raté et au long on a un secteur on a et comment on a secteur et comment on a plus administratif et recouvrement ça là mais tout en des membres ça là. Politique pour une ou deux questions. Tshisekedi est au pouvoir, ça fait 3 ans pratiquement, 2 ans et demi, tôt que 3 ans. Au jugé, mandat n'est bilan Tshisekedi, yo, Madilou, tu penses que le pays est en train d'avancer, on est en train de reculer, on est en train de stagner. Si on a un mandat Tshisekedi au pouvoir, au CPL, au pouvoir, on a yé, à Bongisi, Mboka, toi, Nenin, on répond dans les caméras. Bon, on a un mandat mon côté, ce qui est vrai. Est-ce qu'il a posé des jalons, tu penses? Il a commencé, mais il a arrêté. Parce que. Mandat Bakara Kamer, Ndeli Kambongolo. Oui. Ah. Non, mais tu penses que c'est une chanson? Or, c'est capital. Ce que j'ai dit. Totika. Non, Totika, t'es. Totika. Vous savez, il y a un problème. Ah, on a Kimisi. Au Kimisi, on a un Lubana. On a un Lubana, on va bien. Mais à Banda qui. En fait. L'éloyo, le peuple, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, le peuple disait, nous avons espoir, le peuple d'abord, d'accord? Mais, bon, heureusement que le président lui-même l'a fustigé. On nous fait croire comme si le peuple d'abord était remplacé par les arrestations d'abord. On dirait par arrestation et comme qu'on remplaçait social. Les lois sont totalement ministres économie. Vous prenez la décision, par exemple, tout sur la science. Vous prenez la décision que ce soit un conteneur et un bilo qu'on a mis. Seulement parce que vous avez une guerre froide, n'a pas opérateur économique. Or, ce n'est pas logique. Bon, vous avez un conteneur. Vous avez un opérateur économique. Vous avez foutu la taxe. Vous avez permettre bilo qu'il y a. N'est-ce pas que vous avez imposé un prix? Vous avez imposé un prix. Mais tant que vous avez besoin de biloko, biloko n'est pas aussi là. Vous serez encore obligé, il y a aux gens qui ont besoin de biloko, vous allez enrichir Batou Moussousou. Et vous avez besoin de biloko, réserve d'échange. Parce que le lobe, vous avez besoin réserve d'échange, vous avez besoin réserve d'échange. La réserve d'échange, c'est un bon permet à Kabiso, tout somba, devise permet à Kabiso, tout somba à l'extérieur, pour que vous avez l'échange, vous avez pas produit et tout, et comme ça. C'est tant que le ministère économique a décision, on a biloko, il y a. Et Kiti, mais il y a un conteneur. Tu as gagné sur la politique économique ou sur le pouvoir d'achat ou tu as augmenté besoin ou tu as baissé, comment dire, offre. Tu as augmenté offre, tu as baissé besoin. Mais ce que tu as dans la guerre, c'est-à-dire, tu as compris que tu as un peu de temps, mais c'est là où je dis, c'est au banda qui te bloqué. Donc, banda caméra qui a non, mais c'est pratique, on a un peu sur exemple. Et ça, simple. Surtout, Vandibo et Tobi, bon, le pays doit avancer. Doit avancer comment? Biloko,
sur total une facture à Snell Bachaka 1 dollar il y a courant éclairage public tout ça et ça ramassane rien du tout sur total on a un supermarché au footy facture au footy TVA. Est-ce que un individu a son main il ne faut pas foutre TVA na place ya Libanais tout Libanais faut foutre parce que la loi dit que TVA muta foutre en ça opérateur économique bazan a fait chiffre d'affaires à l'heure de 80 000 $ je pense. D'accord. C'est-à-dire, tant que vous êtes un individu, l'État a l'endetté pourquoi? En fait, l'avancement de l'État, c'est une réforme. Neti, la proposition de réforme auto salaka. Les autres, ils ont un détournement. Et comme il est un Nzembo, il a volé, il a volé. Mais c'est simple, pour que tu kimma Babilo Kouana Nyosu. Surtout celui qui a fusion, il y a une régie financière. Tu as un détournement. Mais bato bazwaka l'art na sima ya ndenge DGDS alaka mupanzi DGS alaka mupanzi tout ça bakolinga jamais que fusion na et salam oh surtout ça les fusion na ba région ce que na Rwanda ba DGDS ba ni les arrêter ils arrêtent mon côté so bo sango nyo so moko zo kota place moko bozana aperçu clair ya combien zo kota na ke sa l'état. C'est-à-dire, quand je dis que le pays n'avance pas, c'est que ma réforme ait été. Le pays est avancé pour le cancer, pour Kamere et Kaka, non. Je parle du cerveau Vital Kamere parce que les idées qu'on a eues, elles ont des idées, elles ont des projets de société à l'UNC. Espérons que Kamere Obima, espérons que vous allez gagner les élections et puis on vous fera le. Merci beaucoup à Alain Madilou Gialou d'être venu nous voir. C'est à moi de vous remercier. Et monsieur Sili, Ndagouno Ango, de temps en temps, soit au Tambolo, Tambolo, Tamboli, pour gagner les élections. T'es Abna. Banakin. Abna Palena. Allez, l'émission est terminée, les amis. Ça a été un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise de Judith Londolet si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.